on fait ça en lien avec des cabinets qui aident ces personnes à se réinstaller, avec le Fonds national pour l'emploi, avec les différents services de l'ambassade. Je préside tous les 6 mois une commission. Nous validons ensemble les projets. On dit oui, on dit non, et puis on suit. On suit également ce que les gens font, parce que ça n'a de sens que réinvestir l'argent du contribuable français au Cameroun si effectivement ça apporte quelque chose. Le message est de dire aussi aux Camerounais, vous avez vécu à l'étranger, vous pouvez aussi apporter quelque chose dans votre pays. Y réussir, et en même temps, ça envoie un message à d'autres qui veulent partir à l'étranger, parfois sans disposer de tous les arguments pour réussir, pour leur dire, vous pouvez également faire quelque chose chez vous. Bienvenue chez Fusion Technologies, je suis Philippe Koya, promoteur de ces startups. des entreprises au Cameroun n'ont pas de système de gestion et 95% n'ont même pas de système d'aide à décision. Donc vraiment, on est là pour combler ce déficit-là et on est très content de mettre à disposition notre savoir-faire pour le public camerounais. Je peux dire qu'aujourd'hui, cet accompagnement nous a été bénéfique parce que justement, on a pu justement créer beaucoup d'emplois. On a commencé, nous étions 5, nous sommes 30 aujourd'hui. C'est une équipe de jeunes déterminés qui sont prêts justement à faire valoir leur talent, à vendre la compétence camerounaise à l'international et sur le plan national aussi. J'interviens dans le côté MS2I, qui veut dire management des systèmes d'information informatisés. Donc, je propose des solutions à l'entreprise et l'entreprise propose ses solutions à ses différents clients. Et dès que c'est validé, on se déplace, on intègre les solutions et après on assure le suivi et la maintenance pour nos différents clients. Et côté apport de l'entreprise, ça me donne une grosse expérience professionnelle.